Hello. Hello, everyone. Hello. Look at my face. Look at my face. Hey, bienvenue tout le monde à Jake Dion. Voyons, c'est quoi le titre? Joy of Digital Painting. Je voulais dire Joy of DP. Bienvenue tout le monde à Joy of Digital Painting, une émission où on dessine digital et peut-être qu'on fait des DP aussi, on ne sait pas. Mais c'est surtout une émission où l'erreur n'existe pas, mais qu'il n'y a que des accidents joyeux. Fait que, on va dessiner aujourd'hui. J'ai une demande spéciale la semaine passée, puis c'est ça qu'on va faire. Je vais juste baisser la musique tranquillement. M'entendez-vous mieux? Oui, c'est ça, on a eu une demande spéciale la semaine passée qui était de Monkey King. S'il y a des gens qui connaissent pas ça, j'ai un exemplaire juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. C'est d'un de mes artistes préférés qui s'appelle Katsuya Terada. Donc, on a son nom juste ici, Katsuya Terada. Ça, c'est l'édition, là, c'est l'intégrale. Ça a sorti chez Pika Graphics l'année passée, je pense. J'étais bien énervé parce que c'est une BD qui était très dure à trouver. Puis le tome 2, je l'avais juste en japonais. C'est pour dire à quel point je trippe sur cet artiste-là. Je me suis downloadé. Je me suis fait livrer la BD en japonais. Je ne pouvais pas la lire, mais je checkais les images, puis je trippais. J'étais comme waouh, c'est hot. Fait que laissez-moi m'installer comme un peu Mr. Rogers. Je me déshabille doucement en vous regardant. Hey, mon Dieu, hey, y a du monde, Colin, c'est le fun. Je vais prendre le temps de lire vos messages un petit peu, mais juste avant, je veux quand même remercier tout le monde qui me supporte sur le Patreon. J'ai un nouveau patron quelques minutes avant qu'on commence, donc Ed, je te remercie, je te salue, je te remercie. Pour vrai, c'est débile, je l'ai expliqué une couple de fois, mais tu sais, c'est... Le Patreon, pour moi, c'est ça qui rend comme des projets comme Joy of Digital Painting possible. C'est ça qui a payé la webcam, c'est ça qui a payé l'iPad, c'est ça qui paye la licence Photoshop à chaque mois. Ça m'enlève un espèce d'immense stress où je peux me concentrer pour faire des projets vraiment cool. Comme ça, là, c'est le fun de faire ça ensemble. Et si vous n'êtes pas sur Patreon, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a évidemment un paquet de dessins, de sketchs que je fais, mais vous avez aussi accès à toutes mes BD qui m'appartiennent, c'est-à-dire pas Alice ni L'Asile, mais les BD de mon cru sous format digital. Fait qu'allez checker ça. Puis tant qu'à être là, allez aussi faire un petit tour sur le Jake Store, où vous allez pouvoir trouver plein d'affaires cool, genre des t-shirts, des prints. Et oui, il y a le fameux print de Terre Kaiju, il est là-dessus aussi. Fait que allez faire un tour là-dessus. En attendant, je vais juste switcher de musique. Ce sera pas long. Je vais nous mettre de la musique ambiante et relaxante. Est-ce que vous l'entendez? J'ai vraiment baissé le son. Hein? OK. Je pense que là, vous devriez l'entendre. Je vais prendre un petit moment pour lire vos commentaires quand même parce que vous étiez au rendez-vous. Fait que... Fait que, ben, premièrement, allô tout le monde, là. Tank Frank, salut. 400 cases. OK, vous m'avez raidé, ma gang de... Luduc m'a raidé avec un party de 15. Je viens de voir ça. J'avais même pas vu ça. Thank you tellement, man. C'est donc bien hot. Pour vrai, c'est fucking cool. Puis là, ils sont tous partis. Ils ont fait, ah, il fait juste vendre des t-shirts, ce gars-là. C'est pas grave. M'a dessiné. Puis ces gens-là, s'ils sont curieux, ils reviendront. Donc, c'est ça, là. Les Banana Slammer. OK, fait que ça, c'était le raid. C'est hot. High on Ramen, c'est toujours fidèle au poste. King Baz, allô. À l'explosion Sarge, nice. À l'explosion Sarge, j'aime ça comme nom. Sarge? C'est-tu Serge? Je sais pas. Here we go. Juju, allô.
Démon en speedo. C'est hot en crise, Démon en speedo. Salut, Blaise qui est là. Allô, Blaise, béret bleu, si c'est bien toi. Juju, j'ai dit déjà. Cosplay Tina, re-salut. Bonsoir tout le monde. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est qui le Monkey King? King Baz, il fait un petit il explique un peu là. Ça vient d'une vieille légende folklorique chinoise, mais ça a été ça a été repris beaucoup par plein d'autres trucs, dont Dragon Ball Sangoku est un peu inspiré de ce personnage-là avec la queue de singe, le bâton, le nuage, tout ça. Ça vient de cette légende-là du Monkey King. Antoine de Bouquet dit « Tu peux répéter le nom de l'artiste, s'il vous plaît? » Bien sûr, c'est Katsuya Terada. Je vais montrer son nom à l'écran en même temps. Je ne suis pas sûr qu'on le voit bien. Katsuya Terada. Et la BD s'appelle Sayukiden. Vous pouvez l'acheter là, chez votre libraire, le commander chez votre libraire indépendant de préférence. Mais sinon, moi j'ai acheté ça chez Planète BD. Fait que c'est dispo pas mal partout. Je fais juste continuer à lire des messages tranquillement. Tarkaiju uniquement, puis rien d'autre. OK, oui, c'est ça pour le Jake Store, évidemment. Juju, t'es encore là. Cool. Dank, c'est-tu Danik? Je porte tellement souvent mon T-shirt Tarkaiju. Nice. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, le design du T-shirt de Tarkaiju est fortement inspiré de quelque chose qui n'a pas rapport avec les Kaiju, mais c'est un design que j'ai tout le temps aimé, puis c'est une série que j'adore, qui est Cowboy Bebop, l'animé original. Je sais qu'ils ont fait un remake, on pourra en reparler plus tard, mais voilà, béret bleu présent, yes! Bon, ben, Colin, tout le monde est là, c'est le fun. Fait que là, on va dessiner. Je veux juste voir avant, parce que la dernière fois que j'ai dessiné, je crois que c'était Galactus. Puis je voulais juste faire un petit truc, là. Ça, c'est un autre illustration. OK, on va juste avancer un peu. Ah ouais. OK, attendez. Parce que là, vu que quand que je fais une rotation sur un dessin, après ça, il la garde comme ça. Fait que je pense que celle-là n'est pas rotationnée. On va juste y aller. Ouais, voilà. Parce que en même temps, quand je vous montre ça, ça peut aussi vous indiquer rapidement. Là, je sais que c'est super accéléré, là, mais tu sais, ça peut vous montrer des fois un peu mon processus, comment je travaille. T'sais, vous voyez qu'au début, ça flashait et ça allait vite. Ça, c'est parce que je prenais des photos avec mon iPad de sketch que j'ai fait dans mon sketchbook. Je prends une photo avec l'iPad, puis après ça, je fais juste du clean-up, dans le fond, dans Procreate. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Deathlock dans l'assistance? Deathlock, c'est un personnage de Marvel Comics qui est vraiment cool, mais qui est comme qui a toujours été un peu dans l'ombre. Il n'a jamais eu sa grosse série à lui. Même, tu sais, les histoires qui étaient juste à propos de lui étaient comme dans un autre magazine où il y avait d'autres histoires de d'autres personnages. Il est sorti en intégrale. Je l'ai acheté, c'est super bon. C'est un personnage des années 70, mais tu sais, c'est un genre de pré-Robocop. Là. C'était Robocop avant Robocop. Fait qu'imaginez-vous un espèce de zombie qui se fait il se fait poser des implants pour devenir un arme militaire, mais là, il se rebelle contre ça. Puis en même temps, il y avait un gros élément comme de Spawn, parce que lui, évidemment... Ben, je dis Spawn, puis aussi Robocop, tu sais, il essaie de retourner voir sa femme, sa famille, mais là, il ressemble à une espèce de zombie. Puis finalement, imaginez ça, là, Marvel Comics dans les années 70, là. C'est, il faut le faire, là. Il y a un moment où il réalise qu'il ne pourra jamais redevenir l'homme qu'il est, puis il essaie de se tirer une balle, mais son programme interne, parce qu'il y a un ordinateur dans sa tête qui parle constamment, l'empêche de faire ça. Fait que c'est quand même, tu sais, il y a ça un peu dans Robocop, dans le sens que, tu sais, il peut pas avoir le choix libre de ses actions.
il est contrôlé par un programme. Puis il y a ça aussi dans Spawn, l'espèce de « Oh mon Dieu, je pourrais jamais redevenir l'homme que j'étais. » Fait que c'est quand même... je trouve ça vraiment dark, puis vraiment deep. Puis pour l'époque, là, c'était très surprenant comme... tu sais, penser à ça dans les années 70, ça, c'est 20 ans avant Image. Là. Fait que j'ai tout le temps trouvé ça bien intéressant. Puis la raison pourquoi je vous montre ça présentement, c'est que c'était juste pour le fun. Là. Ça faisait partie de mon challenge Instagram de tous les jours. Mais je me suis dit, hey, si j'avais un pitch à faire à Image Comics, je pense que je rebooterais Deathlock, je raconterais son histoire, quitte à ce que ça reste canonique puis ça se passe dans les années 70, ça me dérangerait pas, là. Mais je pense que ça, y aurait un potentiel. Puis tu sais, Marvel n'est plus ce que... Ben, en fait, les comic books mainstream américains ne sont plus ce qu'ils étaient. Fait que je pense qu'il y aurait aussi possibilité de faire des affaires un peu plus psychologiques, un peu plus dark, tout en gardant le concept d'une grosse bébite zombie avec des gros guns, t'sais, parce que le fun, il est là. Là. Donc, Alex me dit, « Vieille amitié ne craint pas le DP. » Ah, je pense que tu réponds ça au mystérieux. « Un DP vaut mieux que deux, tu l'auras. » C'est très vrai, ça. Deux. Ben, en même temps... Deux, tu l'auras. Je sais pas comment que ça fonctionne en DP. Là. À un moment donné, on peut pas avoir plus d'orifices. Mais en tout cas. Oh, ça c'est intéressant parce que j'ai fait un sketch inspiré un peu du style de Peter Chung. Peter Chung, qui est un animateur américain, mais qui est aussi... le créateur de Aeon Flux. Puis il a fait aussi un court-métrage dans Animatrix. Il a fait un paquet d'autres trucs. Puis j'ai tout le temps aimé son style. Puis c'est vraiment surprenant que ce gars-là n'ait pas une plus grosse influence parce qu'il a un style tellement unique. C'est aussitôt que tu vois un dessin de Peter Chung, tu reconnais immédiatement que c'est lui. Puis j'ai jamais vraiment senti tant que ça son influence... pour les artistes américains. Fait que j'étais comme, je vais juste faire un sketch pour le fun, un peu inspiré de son style. T'sais, il fait tout le temps il distorsionne les perspectives, les proportions, puis tout ça. J'ai tout le temps trouvé ça fun dessiner de même. Puis je pense, une semaine ou deux après que j'avais posté ce dessin-là, mon channel YouTube préféré, Cartoonist Kayfabe, avait Peter Chung en entrevue. Fait que là, j'ai passé la journée à écouter ça en faisant du ménage puis en faisant la vaisselle. Puis c'était bien le fun. Pour vrai, c'était... Mais tu sais, c'est juste drôle que j'aille penser à cet artiste-là puis Cartoonist Kayfabe une couple de semaines après. D'après moi, ils suivent mon feed. D'après moi, c'est moi qui les inspire. Ce dessin-là, ça, c'est drôle parce que je l'ai fait vraiment à l'improviste. Là. C'était un de ces matins-là que je voulais juste me réchauffer, là, puis tout le monde m'a dit « Ah, nice, la référence à JoJo's Bizarre Adventure », et pourtant, je connais un peu, je suis pas un grand connaisseur de JoJo, mais je connais un peu JoJo et j'ai aucune idée où les gens voient la référence. Fait que c'est je sais pas si j'ai fait un design qui ressemble ou quoi que ce soit, mais c'était purement accidentel. Juju dit, c'est arrangé avec le gars des vues. Ben oui, c'est ça. Donc, là, on peut former ça. Allons-y pour The Monkey King. Puis, la dernière fois, on a fait une expérience avec la symétrie. Là. Je trouvais ça bien cool. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire de quoi de différent. J'ai envie de rester dans le noir et blanc. Mais de... Ben, en fait, je vais vous expliquer rapidement, là, le créateur de la BD Monkey King et non pas de la légende chinoise, Katsuya Terada, c'est une des plus grandes influences pour moi. C'est un artiste vraiment qui m'a marqué. Je l'ai découvert début vingtaine, puis j'ai acheté un de ses livres qui était comme un espèce de gros sketchbook géant. Puis ça a vraiment été genre, tu sais,
Il y a des artistes comme ça, là, que tes voix, puis tout d'un coup, ça change ton univers. Là. J'ai un peu honte de l'admettre, mais c'est lui aussi qui m'a fait découvrir Moebius, parce que il avait un style de dessin vraiment pas manga classique, comme beaucoup d'autres artistes japonais, mais beaucoup plus européen, beaucoup plus proche de Moebius. Puis c'est quand j'ai trippé sur Terada que là, j'ai commencé à découvrir les autres artistes européens, comme Bilal, Moebius, etc., puis ça m'a ouvert les yeux. Mais ce qui est impressionnant de cet artiste-là, c'est qu'il utilise la technique sans sketch. Puis ça, pour les gens qui m'ont déjà vu en convention, c'est quelque chose que j'essaie tout le temps de faire un peu. C'est-à-dire de commencer à dessiner avec zéro sketch en dessous. Puis c'est un challenge. Des fois, c'est tout croche. Des fois, c'est pas tête. Mais ça fait partie du fun pour moi du dessin. Fait qu'on va essayer de faire ça en honneur à Terada. Puis vu que c'est un petit peu plus long, puis c'est moins spontané que ce que je fais normalement, ben ça me tente qu'on garde ça en noir et blanc. Fait que n'hésitez pas à me jaser ça en même temps, à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que vous avez écouté dernièrement, qu'est-ce que vous avez lu comme BD qui était cool. Puis moi, ben, je vais dessiner pendant ce temps-là. Vous me direz si vous entendez bien la musique aussi. On l'entend pas du tout, la musique. Okay. Attendez, moi, vous régler ça. C'est parce que si je la mets plus forte, moi, je l'entends plus fort dans mes écouteurs. Il faudrait que j'en parle à mon technicien. Là, vous l'entendez parfaitement. Yes! Oh! Antoine WK dit « Je suis en train de lire Monsters de Barry Windsor-Smith. » Ça, là, écoute, ça, je l'ai acheté. J'ai pas encore osé me lancer dedans parce que hey, ça a l'air d'une œuvre vraiment intense et lourde, là. Je voulais le proposer au mystérieux, mais tu sais, pour vrai, c'est comme 500 pages, là, cette affaire-là. Là. Fait que je pense que si on fait un épisode là-dessus, ce serait peut-être plus une bifurcation. Puis encore là, il faudrait que Ben l'ait lu aussi. Là. Mais ça a l'air incroyable. Ça a vraiment l'air incroyable. Je sais que Barry Windsor-Smith a passé quelque chose comme 30 ans à travailler là-dessus, en affaire de même, tu sais, on et off, là, c'était supposé être une BD de Hulk, je pense, au départ, puis finalement, ça a été rejeté, il l'a retravaillé, non, c'est pour vrai, c'est monumental, là, ça a l'air de l'œuvre d'une vie, là. Ah, c'est bon, c'est comme venez vous tremper le pinceau. Venez vous tremper le pinceau en compagnie de Jake tous les mardis soirs. Ouais, c'est écoute, je pense à une petite catchphrase. C'est juste que c'est pas très inclusif hein, pour les filles, ça. Venez vous tremper le pinceau. Ah, tu voulais dire un vrai pinceau. Ah, c'est moi qui pense tout croche. Ah, oh my God, oh, là, j'ai honte.
Fait que là, tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Là. J'imagine que ça commence à être évident un peu. Mais, tu sais, dites-vous que moi, je le sais pas trop ce que je suis en train de faire, tu sais. J'ai comme une vague idée, mais en même temps, j'ai aucune idée de ce que ça va donner le résultat final. Fait que, tu sais, le monde qui dise... Est-ce que, tu sais, quand tu dessines, t'as un plan dans ta tête, ben, tu sais, je réponds tout le temps, ben, t'as plus un objectif, mais le résultat final ressemble jamais à ce qu'il y a dans ma tête. François dit, on lit avec les enfants, Aventurosaur tome 4, ben oui, allez acheter ça, Aventurosaur... Série incroyable de Julien Paris-Sorel. J'ai les trois premiers tomes, mais j'ai pas le quatrième encore. Ça viendra. Hey, j'ai une question concernant Twitch pour vous autres. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de répondre. Là, moi, j'ai dernièrement, parce que je connais pas ça, hein, je suis nouveau à Twitch. Hein, fait que j'ai dernièrement compris que c'était quoi des subs? Quand le monde donnait des subs, c'est que dans le fond, ils payent pour enlever les pubs, puis ça te donne de l'argent en même temps, c'est bien ça. Mais... ça l'enlève les pubs juste pour le channel de la personne. Puis là, ma question était, vous, quand vous loguez, là, est-ce qu'il y a des pubs? Est-ce que ça arrive des fois que je parle, puis il y a une pub qui part? Parce que moi, j'ai pas dit oui à ça, là. J'ai pas donné mon accord pour ça, là. François dit « Memoria de Jean-Paul Hyde ». Certain, man, ça, c'est assez incroyable, ça aussi. Hey, j'ai vu les pages originales de ça. Ça n'a pas de bon sens, comment c'est hot, là. Lui, là, je te dis, dans les dernières années, là, avec son Petit Astronaute, puis Memoria, là, c'est deux super beaux albums à avoir d'une bibliothèque. Je pense que c'est juste quand que vous arrivez sur le channel qu'il y a des pubs. OK. Ben, tu sais, ça me dérange pas, mais si, mettons, pendant que je suis en train de jaser, il y a une pub qui part, puis là, vous êtes tout en train d'écouter ça en même temps pendant que moi, je jase, j'avoue que je trouverais ça ordinaire. Là. Mais, tu sais, j'imagine que c'est le but, c'est d'avoir des subs pour, justement, pas que ça arrive. Puis, suivez-vous des comptes, des channels d'artistes sur Twitch? Ça aussi, j'aimerais ça que vous m'en recommandiez, parce que, tu sais, moi, je suis une couple d'amis, je suis une couple de channels de gaming, mais des artistes, j'en ai pas vu beaucoup. Du monde qui dessine live, puis que c'est le fun, là. OK. Personne n'a vu de pub dans laquelle je parlais. Yes. Merci. Nate Marm dit « Je pense que ça arrive pas random. Le streamer peut décider quand les mettre. » Ah, OK. Bon, ben ça doit être une affaire de genre « Je suis pas rendu là. » Tu sais, je sais que quand tu streams, t'as comme des trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Moi, j'ai jamais...
J'ai jamais dû. J'ai jamais eu à dealer avec ça. La femme aux cartes postales, mais hein, man. Ben, tu sais, Jean-Paul Hyde, pour vrai, là, c'est un de nos grands au Québec. Là. C'est un grand auteur. Puis La femme aux cartes postales, je sais qu'il l'a co-écrit avec quelqu'un, mais c'est absolument spectaculaire. Là. Moi, j'ai embarqué dans l'histoire. Puis il y a un gros punch, là. Puis Colin, je l'ai pas vu venir, pas en tout. C'était vraiment. Là, puis, tu sais, j'adore le jazz. Puis. Un peu. Je trouve qu'il y a quelque chose de comme super magique là, dans cette époque-là qui est en même temps triste un peu. Fait que c'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve que le seul défaut de Procreate, là, c'est ça, c'est que des fois, tu sais, tu veux comme juste, tu y penses pas, tu veux zoomer sur quoi, puis là, tu sais, finalement, tu te ramasses à faire comme une ligne, mais vu que tu regardes ailleurs, tu zoomes, puis là, tu sais, 10 minutes plus tard, tu te rends compte que, ah, il y avait une ligne là, là. Ça m'arrive souvent dans mes dessins, je fais, ah, fuck, il y a une ligne par-dessus tout, puis tu sais, c'est sur le même layer. Ok, Gorgon dit, je sais pas pourquoi, moi j'ai jamais eu de pub quand je l'écoute sur mon Fire TV. Hey, écoute, je sais même pas c'est quoi Fire TV. Ça a-tu de l'air d'une affaire illégale, ça là? Quelqu'un m'a montré ça un moment donné, là. C'était comme un truc que t'installais sur ta TV, là. Puis là, ah, t'avais un site avec tous les films avant qu'ils soient sortis, puis t'avais comme, tu sais, c'était clairement un truc illégal, mais ça existe. Ok, Omega Dez. C'est une chaîne qui est cool. Puis Picarto. Ok. On va checker ça. Ah, c'est Amazon Fire TV. Ok, non, je connais pas ça. Je disais pas que c'est ça que tu faisais, là. je suis juste niaiseux, là, parce que je sais pas de quoi je parle, là. Jeffrey Bezos, you did it. Ma tune préférée de l'année. Sinon, avez-vous des questions aussi concernant, je sais pas, le dessin? Tu sais, j'aime ça que ce soit chill pis tout, mais s'il y a du monde qui ont des questions, ça pourrait être éducatif aussi, on sait jamais.
Oh mon Dieu, François, tu peux ouais, hey boy. OK, hey, faut absolument que je fasse ça. Parce que des fois, ça m'arrive même, tu sais, comme de... Tu sais, c'est ça, là, vous le voyez pas, ce que je viens de faire, mais je l'ai comme accroché juste avec ma jointure, puis ça a fait une ligne. Hey, Colin, je vais vraiment checker ça dans les settings. Là. Bon, je vais le faire plus tard, là, mais quand même, merci. Fait que là, je vous rappelle que le truc, là, c'est pas de sketch en dessous et pas de droit de faire des niaiseries genre sélectionner puis agrandir, rapetisser. Fait que tout ce que je fais, faut que je deal avec. Fait que si je me trompe, si je fais un doigt tout croche, faut que je trouve un moyen d'improviser puis que ça ait de l'air correct à la fin. C'est ça le défi. Je me rappelle pas qui m'avait demandé cette demande spéciale-là la semaine passée. Quand j'ai fait mon Galactus, j'ai fait « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire la semaine prochaine? » Puis il y a quelqu'un qui a dit « Monkey King! » Puis là, on a comme quitté la discussion après. Ah, c'était King Baz! Ah, nice! Très bonne suggestion. Puis King Baz, est-ce que tu connaissais déjà l'œuvre un peu de Katsuya Terada ou pas du tout? Oui, Jeffrey Bezos, on parle de Bo Burnham. Ouais, moi, écoute, je l'écoute pas le show Netflix, mais la soundtrack, je l'écoute encore une fois de temps en temps. Là. J'ai ça sur mon téléphone. Là. All Eyes on Me, là. Une crise de bonne toune, là. OK. Nate Marm. Excuse-moi si je le prononce pas correct. Là. Dit un gros débat que j'ai eu avec un ami artiste. Il dit que n'importe qui peut être bon en dessin. C'est quoi ton opinion sur le talent naturel versus l'apprentissage, le développement des compétences? OK. Ben, moi, je pense que c'est. Talent naturel, là, c'est vraiment. C'est vraiment un petit pourcentage. Là. C'est pratique et détermination, I guess. Puis aussi peut-être vouloir se mettre en danger. C'est se lancer des défis, en fait. T'sais. Fait que. Mais talent naturel, moi, pour vrai. Je sais que ça existe, là. Il y en a, là, des artistes qui sont
incroyable que personne, peu importe comment tu te pratiques, tu sais, moi, si je me pratique, mettons, 22 heures par jour, dans 10 ans, je serai jamais aussi bon que Moebius. Tu sais, ça, c'est normal. Moebius, il y a quelque chose. Sauf qu'en même temps, tu regardes des gens comme Moebius ou l'artiste coréen Kim Jong-ji ou Katsuya Terada, ces gens-là, ils dessinent beaucoup plus qu'on pense. On pense qu'ils dessinent genre comme 8-9 heures par jour, mais c'est plus que ça. Là. Fait que je dirais, tu sais, la pratique, elle va avec aussi. Est-ce qu'ils sont bons parce qu'ils ont un talent naturel ou est-ce qu'ils sont bons parce qu'ils dessinent tout le temps, là, tu sais? Moi, j'ai entendu beaucoup d'artistes dire « Je dessine à tous les jours depuis 30 ans, tu sais. » Ou depuis 40 ans. T'sais, moi, je peux pas dire ça. Il y a plein de journées que je dessinais pas. Là. T'sais, là, une fin de semaine avec mes amis au chalet, je dessine pas. Là. Bon, je vais dessiner des fois d'un bord. J'amène mon sketchbook. Puis, contre un petit shot, je peux te faire un dessin. Mais je pense vraiment que c'est la pratique. Sur tous les Animatrix, c'est quelle l'histoire que tu as préféré le dessin? Ah ouais, c'est bon ça. Hey, ça, là, Animatrix, pour moi, ça a été un méchant coup dur. Là. C'était comme, je capotais sur tout. Je te dirais que j'en ai peut-être trois préférés. J'ai vraiment trippé sur... Hey, là, je connais le nom des artistes, mais pas le nom des short stories, voyons. J'ai trippé sur celle de Takeshi Koike, qui est le courseur, là, celui qui fait du marathon ou du sprint, plutôt. Justement, c'est un artiste qui me rappelait un peu Peter Chung. Évidemment, moi, Program, ça, c'est le réalisateur de Ninja Scroll, puis Blood the Last Vampire. J'ai capoté quand j'ai vu ça, puis j'étais comme, man, c'est tellement graphique, c'est tellement beau. Celui de la maison hantée par Koji Morimoto, ça m'a bien gros marqué aussi. Là. Je trouvais tellement les designs beaux, les couleurs, les environnements. J'étais comme en amour avec ce style-là pendant longtemps. Là. Je voulais devenir ce gars-là. Puis c'est un gars qui a travaillé sur Akira, hein, qui travaillait, je pense, sur les backgrounds. Ensuite, attends. Ben, c'est sûr que celui qui est en deux parties... qui explique l'histoire, l'espèce de prequel de la Matrice, il est malade. C'est peut-être pas mon préféré visuellement, mais narrativement, là, je trouve qu'il est tellement bien raconté, la réalisation est hot, puis c'est intense, puis c'est dark, c'est trash, puis ouais, j'aimais bien ça. Mais par contre, côté dessin, là, pour vrai, je pense que c'est Kid Story. Celui qui c'est comme qui est vraiment sketchy. Là. Encore là, il y a un peu de Peter Chung là-dedans. Puis je pense qu'il est réalisé par Shinichiro Watanabe, celui-là. Je pense qu'il est réalisé par le créateur de Cowboy Bebop. Toi, c'était quoi ton préf? Mais tu sais, je viens d'en nommer genre 5, puis tu sais, pour vrai, ils sont tous bons. Là. Allô, Kabosh, Cabtastic. C'est vrai que t'es Cabtastic, toi. Cabtastic, de même, ça se peut pas.
Cab et moi, on va être au Comic-Con de Montréal en fin de semaine, au Palais des Congrès. Moi, je suis là vendredi soir, puis samedi, dimanche, pas mal toute la journée. Je pense que c'est de midi à 6 heures, un truc de même. Journée complète. Je pense que l'ouverture des portes, c'est à 11, mais moi, je ne sors pas avant midi. Puis, voyons, pourquoi qu'on... Ouais, ben c'est ça. Fait que venez nous voir au Comic-Con. Ça serait bien cool. Ça serait bien blood de vous voir là. Puis je vais avoir des planches originales d'Alice pour ceux qui veulent les acheter ou juste les voir, juste venir jaser puis checker. Ça peut être cool. Cowboy Bebop. Y a-tu des gens qui ont écouté la série live action qui est sortie sur Netflix dernièrement? Y a-tu du monde qui ont écouté Cowboy Bebop, le remake? Est-ce que je vous donne mes opinions? Vous voulez pas que je vous spoil? Cap dit, j'ai écouté un épisode, c'est pénible. Bon. Ben, moi, j'ai trouvé ça. J'ai écouté le premier épisode. J'ai pas fini le deuxième parce que... Question de temps, là, pour vrai. Là. Mais j'ai pas trouvé ça si pire que ça. En fait, même, j'étais surpris de comment qu'ils ont... Que les gens qui ont travaillé là-dessus ont compris le ton. Je trouve que l'acteur qui fait Spike est absolument parfait, là. Il est tellement charismatique. Là. Je pense que c'est John Cho, son nom. Là. Je trouve qu'il fit tellement, man, pour Spike. Là. Il dit rien, puis c'est Spike. Là. Il fait juste manger des ramen, puis c'est Spike. Puis tu sais, la musique originale de Yoko Kanno, en plus, oui, elle a repris des thèmes qui étaient dans la série originale, mais elle a écrit de la musique originale aussi. Fait que tu sais, moi, juste pour ça, écouter du nouveau stock de Yoko Kanno, je trippe. Je trouve que c'est super hot. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Mais tu sais, je trouve que rendu là, ils ont pris la bonne décision. Quand t'as pas de budget, genre, assume-le. Fait que tu sais, ils ont rendu genre le côté un peu campy, un peu cheap, justement. Je trouve qu'ils l'ont assumé au lieu d'essayer de le cacher, là. Fait que c'est tout, je pense que c'était une bonne décision de leur part. Puis le gars qui joue Jet, la fille qui joue Faye, pour vrai, je trouvais que le casting était malade. Puis j'étais comme, OK, c'est pas si pire, tu sais. Puis, tu sais, pour ceux qui ont vu le premier épisode, c'est très, très, très semblable au premier épisode original de l'anime. Fait que juste pour le fun, t'sais, j'ai vu que il était sur Netflix aussi, l'animation originale. Fait que j'étais comme, ah, je vais aller voir, t'sais. Juste revoir le premier épisode. Puis là, j'avoue que j'ai comme pogné de quoi parce que j'ai fait, ah ouais, c'est ça, c'est vraiment supérieur. Là. Puis pas juste en termes de ton, puis de musique, puis tout, mais ben, de un, c'est de l'animation. Fait que
tout ce qui est montré à l'écran n'a pas de l'air cheap. Au contraire, ça, c'est tellement des illustrations hot puis de l'anime forte. Puis ensuite, juste la réalisation, je veux dire, c'est là que tu fais comme... OK, non, c'est pas parce que c'est en animation que c'était bon. Là, c'est parce que c'est un grand réalisateur là, que c'était bon. Là. Fait que... T'sais, le montage, man, il est malade. Le rythme aussi, t'sais, c'est 22 minutes. Sur Netflix, la nouvelle série, c'est une heure par épisode, ou t'sais, genre 45 minutes, un enfant dans la main, c'est quand même... Ça change beaucoup le rythme. Fait que j'ai comme... Je suis revenu un peu sur mes paroles après, j'ai fait « Ouais, non, c'est... » Je pense qu'ils ont bien essayé. Je serais curieux de voir quelqu'un qui essaye de faire mieux, mais c'est vrai que c'était pas au niveau de la série originale. Mais c'est ça, j'ai commencé à écouter le deuxième, puis pour vrai, j'étais comme... Ah. Il me manque du temps, mais tu sais, c'est pas parce que j'étais découragé ou je trouvais ça pas, j'étais juste comme... Ah. Mais juste pour les acteurs puis la musique, si tu veux avoir du fun, tu vas trouver ton fun. Puis tu sais, faut pas le voir comme quelque chose qui va remplacer le show original, faut le voir comme une espèce de dommage ou une lettre d'amour à ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça manque de budget, mais tu sais, clairement, les gens qui ont travaillé là-dessus, c'était pas un cash grab qu'ils essayaient d'avoir. Là. C'était, ils voulaient payer hommage à cette série-là. Là. Puis juste pour ça, pour vrai, c'est cool. Les flights sont sloppy, full. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est... Puis tu sais, c'est ça qu'on oublie, tu sais. Faire un bon fight, là, même si c'est une série télé, ça coûte cher, là. C'est beaucoup de travail. Il faut qu'ils, souvent, tu sais, bien évidemment, qu'ils chorégraphient tout ça, mais après ça, il faut qu'ils prévisualisent, tu sais, pour que ça soit bon, je veux dire. Fait qu'il faut qu'ils tournent juste, tu sais, comme... dans le gym, juste pour savoir comment le retourner quand tu vas être en studio, parce que il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu fais, vers où tu t'enlignes. Fait que, ben, tu sais, souvent, ben, ils chorégraphient assez basic, puis ils se disent, bon, ben, on fera le reste au montage, tu sais, puis ça fait des trucs... Non, ça, je pense que personne ne peut t'ostiner là-dessus, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça, les set design, c'est ça que je trouvais cool, c'est que tu sais, ils ont fait comme, regarde, on n'a pas le budget du siècle, là, mais on va y aller avec le côté funky. Puis encore là, hey, je me base pas sur grand-chose, là, je me base juste sur le premier épisode que j'ai vu, là. Fait que tu sais, ça se peut que plus tard, quelqu'un me dise, non, c'était pas ça pendant tout, là. Une des petites affaires qui n'a pas de l'air à passer, pas en tout,
c'est l'histoire de Vicious. Ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Dans Cowboy Bebop, le but de cette intrigue-là, c'est que tu sais jamais ce qui se passe. Puis, finalement, c'est pas si hot que ça, ce qui se passe. Ce qui est hot, c'est le fantôme de ce souvenir-là, tu sais. Fait que t'es intrigué tout le long à faire « Voyons, c'est quoi qui est arrivé? » Mais tu sais, quand tu le sais, tu fais pas comme « Oh, wow! » Tu sais, c'est pas un punch. C'est juste que tu comprends après, genre « Ah, OK, c'est pour ça qu'il vit de même, tu sais. » Pour ça qu'il vit comme un espèce de... Parce que c'est un rôle qui est tough, là, Spike, là. Tu sais, c'est comme un genre de clown, mais super intense, tu sais. C'est comme un badass, mais ridicule, tu sais. C'est un rôle qui est dur à performer. Puis, tu sais, ça te prend une espèce de charisme parce que si t'as trop de l'air d'un clown, ben, t'es pas crédible, puis on s'en fout. Puis, si t'as trop de l'air d'un badass, ben, tu sais, t'es en train de passer à côté du personnage puis d'y enlever son âme, tu sais. Fait que ça, ils l'ont vraiment bien eu. Mais toute son backstory, comment qu'il joue, là, puis justement, juste dans le premier épisode de l'anime, là, hey man, ça commence de même, j'avais oublié que c'est la première chute qu'on voit, puis avec le montage, puis la petite toune de boîte à musique, là, ça fait comme, wow, je sais pas ce qui s'est passé dans cette église-là, mais mon Dieu, que ça a l'air d'avoir une répercussion dramatique, tu sais. Puis, pour vrai, c'est vraiment bien fait, là. OK, donc... Ah, Tina, on se voit à la convention, c'est bon, bye. Donc, Alex demande, est-ce que tu dirais que ultimement les problèmes du remake viennent des problèmes qui viennent avec la tentative d'adapter un show anime en live action? Oui, puis non, c'est ça l'affaire. C'est que le plus gros défi, là, l'affaire qui aurait dû plus se planter... C'était avec le casting. Moi, souvent, c'est ça le problème que j'ai là, avec les adaptations d'animation en live action. Quand le casting il est faux, il n'y a rien qui marche après. Non, là, je pense que c'était vraiment une question de budget pour, évidemment, mais aussi de réalisation. T'sais, c'est comme le team de writers qu'ils ont eu. Je pense qu'ils sont bons. Je pense qu'il y a de l'amour qui vient de la bonne place. Mais sont peut-être pas au niveau de justement Watanabe, tu sais. Fait que ça apparaît dans le montage, mais après ça, tu sais, il y a plein d'autres trucs qu'on jase depuis tantôt qui est plus dû au budget, comme les chorégraphies de fête. Ben, c'est sûr que si t'as pas de budget pour ça, ben, à un moment donné, tu sais, ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des animations... Est-ce qu'il y a des films live action basés sur des animations qui ont réussi à relever le pari?
Moi, je suis sûr que oui. Là. Je suis sûr que oui. Je vais essayer de penser à ça. Si vous avez des idées, là, shootez-moi ça parce que c'est sûr qu'il y en a des bons. Là. Puis, tu sais, même, je mettrais adaptation, peut-être pas de jeux vidéo, mais de BD là-dedans aussi. Là, t'sais. C'est-à-dire que une adaptation de BD, tu sais, que tu prends un univers en 2D puis tu essaies de le faire en live action. Là. Et dites pas Aeon Flux. Parce que c'est, ils ont pas catché. Battle Angel. Ben, il est pas parfait le film, mais ils ont réussi en maudit. Je veux dire, s'ils se sont plantés sur des trucs, c'est plus à cause du système d'Hollywood, puisque ce qu'on demande aux blockbusters d'aujourd'hui, puis de vouloir faire des sequels, puis de créer un univers à la place de faire un bon film. Mais le film, man, le casting était excellent, la direction artistique était malade, les effets spéciaux étaient cool, les fights étaient full bien. Chorégraphié, les scènes d'action étaient dynamiques. Moi, je pense que c'est un film qui va mieux vieillir dans le temps qu'on pense. Là, c'est juste parce qu'on se fait bombarder de du MCU puis de plein d'adaptations de BD, là. Mais je pense que dans 20 ans, le monde va rechecker Battle Angel Alita pour faire que... Ah non, il était bon, celui-là. Oh my God, Shen, tu t'en vas écouter Venom 2? J'aimerais ça qu'on s'appelle après. Je sais pas si il est parti, là, mais Venom 2, c'est quelque chose. Des glow sticks. Comment vous trouvez le dessin à date? C'est-tu pas si pire? J'ai pas effacé une fois, hein? Mais attends, là, vous dites Preacher, Death Note. Pour moi, ça, c'est pas du tout des réussites. Là. Ça, c'est que... Surtout Preacher, parce que Preacher, évidemment, c'est spécial pour moi parce que c'est trop proche de mon cœur, là, cette série-là. Fait que je pense que même s'il l'aurait super bien faite, j'aurais trouvé le moyen de... Mais je trouve qu'ils l'ont... Ils ont tellement pas compris la vibe, là. Le casting de Cassidy, par contre, il est excellent. Ça, faut y donner. Mais, tu sais, c'est pas mon Jesse Custer, ça. C'est pas un cowboy qui rit dans le visage de l'adversité, là. C'est un genre de dude qui fait juste se plaindre pis qui est full dark. Pis qui reste à sa chapelle parce qu'il veut aider les gens du village. C'est comme, non! Ça, c'est pas mon Jesse Custer. V for Vendetta, man. Je sais que c'est une BD quand même plus réaliste. Là. On parle pas d'un animé japonais. Là. Mais V for Vendetta, c'est une belle adaptation. Watchmen. Mais là, c'est ça. Ouais, non, on voulait plus dire pour l'animation, c'est vrai. Parce que là, on peut nommer un paquet de films de BD. Scott Pilgrim, c'est excellent. Hein? Ouais, c'est ça. Hey, bye François, merci d'être passé. Là, c'est ça. Là. Attends, non, je retire ce que j'ai dit. On mixe pas la BD à ça parce que, évidemment, il y en a plein là, t'sais, que moi j'ai aimé. Là, Sin City. Il y en a beaucoup. Là. Mais revenons à une animation qui a été faite en live action. S'il y en a eu des réussis. Moi, je suis sûr que oui.
Ouais, je serais curieux de voir les Kenshin. Je sais qu'ils ont fait aussi Blade of Immortal. Puis c'est Takashi Miike en plus qui a réalisé ça. Je comprends même pas pourquoi j'ai pas écouté ça encore. Je suis supposé être le target audience. J'adore Takashi Miike. Puis le manga de L'Habitant de l'Infini, ça a été aussi une grosse marque pour moi, là. Quand j'ai lu ça, je pensais que je venais de découvrir la BD la plus haute de tous les temps, là. J'ai jamais fini la série, par contre. Je pense que c'est un peu ça, le défaut de cette série-là, c'est le rythme. À un moment donné, c'est comme plus trop, c'est à propos de quoi, là. Tu sais, ça commence avec un concept bien solide, puis là, c'est comme... Ah! On suit des personnages qu'on sait même pas c'est qui. Puis tu sais, c'est un peu tough à suivre. Faudrait que je me replonge. Peut-être que je serais plus réceptif, là. Oui, Bakuman, c'était bon, man. Bakuman, le film, était bon, c'est vrai. J'ai aussi vu Ping Pong, qu'à l'époque, j'avais full aimé. Puis hier, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de un des réalisateurs d'animation que j'aime beaucoup, Cab, je pense que tu le connais aussi, là, qui est Masaki Yuasa, qui a fait, entre autres, Mind Game, puis un paquet d'autres affaires. Puis il a réalisé la série d'animation basée sur Ping Pong. Puis pour vrai, là, ça a l'air d'un chef-d'œuvre. Le style, je pense qu'il l'a tellement réussi, là.
Cab, t'as écouté le film de Bleach? Ouais, Transformers, écoutez, boy. Fait que ça, ce que vous voyez là, c'est un replay d'un autre dessin qui est complètement la technique inverse de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que j'y vais avec un affaire super sketch, puis après ça, je peins par-dessus. Là, tu sais, j'ai comme... Pas que j'ai pas le droit à l'erreur, mais en dessinant avec cette technique-là, qui est la technique de Terada, là, mettons... Ben, c'est que tu es obligé de réfléchir à ce que tu dessines avant de mettre ton crayon sur le papier. T'sais. Tandis que l'autre, tu peux faire une ligne, puis même si c'est pas vraiment la bonne ligne, ben, tu peux repeindre par-dessus. Puis moi, pour vrai, j'ai remarqué que je mets beaucoup plus de détails quand je vais avec la technique Terada, parce que justement, je suis en train de réfléchir à où les choses vont être posées pendant que je dessine quelque chose d'autre. T'sais. Tandis que quand tu y vas sketch, ben on dirait que tu réfléchis après de l'avoir fait. Tu poses les affaires sur le papier, tu fais que « Ah ouais, ok, je pourrais mettre, tu sais, je pourrais grossir la tête, ah, je pourrais rapetisser ça. » Puis les deux techniques sont bonnes, mais c'est deux philosophies différentes. Là, c'est comme, mettons, pour des écrivains, là, t'sais, je pense que c'est comparable à genre écrire sur ton laptop versus écrire à la plume dans un cahier. Il y en a un que tu es obligé comme de penser à ta phrase avant de l'écrire. Puis l'autre, ben tu peux comme changer le mot de place, tu peux corriger un paquet d'affaires. Fait que. Moi je dis que les Teenage Mutant Ninja Turtles, ça compte pas. Parce que ça vient pas d'une animation, ça vient d'une BD. Puis en plus, ça vient vraiment de la BD. Le premier film, là, surtout, là, je veux dire, c'est littéralement la première BD. Là. C'est tous les éléments sont là. Les dessins animés étaient très, très wacky, très enfantin, fait que... Non, c'est l'inspiration vient vraiment de la BD. Fait que ça compte pas. On va en trouver, c'est sûr qu'on va en trouver un. Ben écoute, je pense que j'ai terminé mon dessin, moi. Thank you.
Ah, ben, il y a. Caroline, on n'y a pas pensé, mais il y a. Une adaptation là, cinématographique vraiment malade, c'est Orange Mécanique. Ça vient d'un dessin animé pour enfants, ça. C'est Stanley Kubrick, là. Il avait vu un cartoon là, pour enfants, puis je te dis, ah, on va faire un film basé là-dessus, mais je vais essayer d'être le plus fidèle possible. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis tu sais, tous les fans du cartoon pour enfants étaient comme, ouais. C'est vraiment... c'est pareil comme le cartoon de notre enfance. Ça. C'est... Orange Mécanique, c'est ça. Donc, j'ai terminé mon dessin. Dis-je en continuant à gosser dedans. On va faire un dernier petit time-lapse, parce que j'aime ça, les time-lapse. Oui, Ange Mécanique, c'est l'affaire qui rip off Space Jam 2, exactement. Ils ont changé les tunes pour d'autres choses, mais oui, exactement. Donc oui, le roi singe peut briser le paradis en deux. C'est ça qu'il veut faire, hein? C'est ça qui sa quête. Il veut comme tuer le Bouddha, là, ou je sais pas trop. Là, c'est même, tu sais, en ayant lu la BD, je suis même pas sûr de savoir exactement c'est quoi son objectif. Bon, là, dites-moi qui vous aimeriez qu'on raid, là, afin qu'on se dise bye-bye, là. Recommandez-moi une chaîne d'artistes, là, parce que moi, dans mes affaires, là, il y a juste du monde qui game, là. Je veux qu'on aille voir un artiste. Si vous avez ça, là, puis qu'il y a quelqu'un qui est online, là, même si c'est pas quelqu'un qui est au Québec, c'est pas grave, là, mais si c'est quelqu'un qui est au Québec, c'est encore mieux. Ben, c'est ça, là, je voulais d'autres choses, parce que la semaine passée, on a été voir Pépé, mais on peut bien retourner voir Pépé, mais... OK, oui, Cab, bye, tu t'en vas écouter Arcane, tu me diras si c'est bon, ça a l'air fucking beau, là. Ça a l'air incroyablement beau. Il y a aussi un cartoon que je me suis fait recommander hier, puis pour vrai, je l'ai essayé, puis j'ai vraiment aimé ça, qui... Bad Super Crooks. C'est bon, man. C'est bon, Super Crooks. C'est comme écrit puis inspiré de Jupiter's Legacy, qui était pas très bon, je me suis fait dire. Mais Super Crooks, c'est bon. C'est cool. Fait que, ben, je vais peut-être écouter un épisode de Arcane aussi d'abord. Mais là, Juju, toi, tu nous proposes Kajie? C'est une chaîne Twitch, ça. On va aller voir. Caroline, je trouve pas. Okay, mais es-tu online présentement? Ouais. Ah, ben on pourrait aller voir Joël Martel. Ben oui. Ben oui. Faudrait que quelqu'un m'envoie son... me marque son channel. Ben. Parce
parce que, ben, juste avant, là, Juju, tu m'avais proposé quelqu'un, mais y es-tu en ligne en ce moment? Est-ce que la personne est en ligne? On peut bien aller voir Joël Martel. Bon, c'est bien Raid slash Joël Martel ou c'est slash Raid, là? Je m'en rappelle jamais. Ah, c'est slash rate. Bon, ben, on y va, les amis. On se dit à la semaine prochaine. Merci encore, full, tout le monde d'avoir été là. Vous étiez petite affaire plus nombreux que d'habitude. Fait que c'était bien cool. J'étais bien excité de tout ça. Puis, ben, on se dit à mardi prochain. Bye bye, tout le monde.